avec une petite vidéo dans la continuité de celle que je viens de vous faire, de la toile que Rachel m'a offert. Franchement, mille merci, elle est trop belle. Franchement, j'ai hâte de la faire, mais pff, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vais pas me plaindre, il faut que je retrouve l'envie. Il y a quelques jours, j'ai reçu un paquet comme ça de chez A Diamond Painting. Et du coup, bah, je vais vous les présenter. Je vais vous présenter les 5 toiles que j'ai reçues. Franchement, la prochaine fois, je ne sais pas s'ils vont me redemander mais, ou s'ils vont m'envoyer directement. S'ils me redemandent, je pense ne pas accepter. Les toiles ne sont pas du tout dans mon style. Donc ça, c'est encore des toiles qui vont être mises de côté pour vous faire gagner. Alors, il y en a déjà quelques-unes. Alors, je suis désolée, ça fait un peu de bruit, c'est du plastique. Donc là, en première toile, nous avons... Alors, par contre, je vais vous montrer sur le... Ouais, il y a là. Je vais vous montrer comme ça. Je vais pas défaire les papiers. Hein. Donc ça, c'est comme ça. C'est deux personnes qui sont en train de s'embrasser. C'est un 30 par 40. C'est un 30 par 40, là vous avez la référence, la marque du site. Alors pour ceux qui ont regardé la vidéo juste avant, le DP mystère que j'ai reçu, là je suis au bord des larmes franchement, Rachel m'a fait cette photo là. Voilà, le DP mystère, c'est ça. Franchement, je suis choquée. Franchement, elle est trop belle. Il y a le prénom de ma fille, il y a les licornes, tout ce qu'on aime. Franchement, Rachel, mille merci. Franchement, elle est trop belle. Revenons à nos boutons, on va arrêter. Avant qu'il y ait des larmes. Donc, du coup, je vous présentais cette toile-là qui était, désolée pour la petite aparté du coup, en 30 par 40. Donc, les petits amoureux. Et c'est... du rond, c'est bien imprimé, ça, il n'y a pas de souci. Donc ça colle bien, voilà. Donc là, vous avez un toolkit de base. Attendez, je vais fermer la porte parce que sinon on va entendre monsieur qui est en train de discuter avec Rachel. Voilà, hop. Un kit tool de base avec... deux stylos avec un grand embout, un petit embout. C'est des stylos transparents à paillettes, quelques sachets. La gamelle et la colle. Ça fait longtemps que je vous ai pas présenté des trucs comme ça. Ah d'ailleurs, dans le kit de Rachel, je vous ai pas présenté, je sais pas ce qu'il y avait. Et du coup, là, on retrouve la photo. La photo, c'est des diamants ronds. Donc voilà. Voilà pour la première toile. Donc voilà pourquoi je pense ne plus collaborer avec eux. S'ils me demandent, en tout cas, je ne collaborerai plus avec eux. S'ils me les envoient sans rien dire, eh ben, je prendrai et ça sera pour vous. Pour mes futurs concours, on est toujours à 1100 abonnés. Ce que je peux comprendre, puisque de toute façon, je n'ai pas fait de vidéo depuis je ne sais combien de mois. Donc du coup, c'est compliqué. Donc là, on en a un autre. Et les toiles sont épaisses. Hein. Ce n'est pas des toiles toutes pourries. Elles sont bien épaisses. Donc encore une toile en... Je ne sais pas pourquoi il y a plein de petits plastiques comme ça. Petit bout de plastique à l'intérieur de la toile. Donc 30 par 40 et c'est ça le dessin. Je vais vous montrer après sur le truc. Donc c'est la même toile. Hein. Il y a toujours les instructions en bas. C'est du rond. Je peux vous l'ouvrir un petit peu. C'est la terre en fait. C'est la terre en arc-en-ciel en haut et après en bas en violet. Quoi. Voilà. Mais voilà, c'est pas du tout, du tout mon style. J'ai foutu où le reste? Voilà. Donc le kit tool exactement le même. Et puis alors voilà, là vous l'avez en grand.
couleurs là. J'ouvre pas les kits hein, parce que après c'est un peu galère pour remettre et vu que je vais pas les faire et qu'ils vont être mis de côté pour des concours, je vais pas les ouvrir. Voilà. Je préfère pas les ouvrir, je vous les présente comme ça. Je pense que vous voyez assez bien. Il y en a peut-être 15 sur les 5 que je vais faire et encore. C'est que ça tourne autour de la terre. Celui-là aussi c'est une terre. Oh ce plastique. Donc là c'est toujours la marque A Diamond Painting. Sur l'autre c'était pas marqué et ça c'est celle-là. La lune en fond avec un coucher de soleil. Donc c'est toujours un 40, non, 30 par 40. Toujours pareil là. Toujours les mêmes infos. C'est du carré. Donc là pour du carré, je vais vous montrer. Hop, on va enlever une petite amie. Là, du carré. Hop. Vous voyez. C'est très net, il y a les beaux quadrillages et tout, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Pour les couleurs, c'est très foncé. Et là, vous avez le dessin en rond. Voilà. Et... le kit tool, et bah toujours le même. Donc hop, on met ça là-dedans. Faut pas le faire. Enfin, je pense que la plupart des personnes qui gagnent les concours sont pas des débutantes, donc elles auraient certainement pas besoin du kit tool, mais bon. Hop, je préfère envoyer avec. Avant-dernière. Ouais, celui-là il est peut-être pas trop mal, mais bon. J'en ai suffisamment à faire qui me plaisent complètement à moi que de me casser les pieds à garder des trucs qui me plaisent pas. Ou faire des trucs qui me plaisent pas. Donc là, c'est des papillons comme ça. C'est toujours du 30 par 40. C'est le seul partenariat que j'ai et que... du coup qui m'envoie mais que je peux pas choisir quoi, voilà. Pareil là c'est du carré. On peut pas choisir l'étoile qui nous envoie et ben voilà, du coup c'est des trucs voilà, c'est des trucs qui me conviennent pas du tout. Donc c'est pas cool. La première fois ils nous avaient envoyé des toiles, pareil on n'avait pas le droit de choisir, mais je me suis dit voilà. Après, c'est la deuxième fois qu'ils m'envoient, je me suis dit, bah voilà, maintenant ils vont me laisser choisir, mais non. D'ailleurs, j'étais même pas au courant qu'ils devaient me renvoyer quelque chose. Donc ça, les couleurs. Il y a des belles couleurs. Et le kit tool. Le kit tool classique. Hop, je remets tout ça là-dedans. Ou à moins que vous êtes... à moins que vous ayez envie de leur acheter ces 5 toiles là. Enfin 4 parce que je pense que la dernière je vais peut-être la garder, je sais pas. Après dites-moi si vous êtes intéressé, après je vous fais juste un petit prix et puis le prix je m'attirais les foudres en disant que je veux les vendre. C'est juste l'histoire de faire un petit prix et de payer les frais store pour, voilà. Au pire. Je sais pas. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, me le dire. S'il y a des commentaires pour me dire tout et n'importe quoi ou pour m'envoyer des mauvais commentaires, seront supprimés directement. Comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Cherchez à mettre un mauvais commentaire et me blaser, c'est pas la peine. Ouais, non. Le seul et unique que je pensais garder, mais non. Alors par contre celui-là je pense qu'il va faire des envieux, peut-être qu'il va faire du monde. C'est un pan avec des grosses traces à mettre. Et là c'est le pan avec des...
traces. Oups là, je suis sur le bord du lit. Les strass spéciaux, je vais y arriver. C'est pour ça aussi que j'avais arrêté les vidéos parce que aussi, entre autres, je cherche mes mots et j'ai des mauvais commentaires comme quoi c'est nul, nanana. Donc là, kit tout l'a changé, c'est une gamelle, un tout petit pain de colle, un stylo rose classique sans embout et une pince à neuneux, voilà. Et du coup, alors pareil pour les strass, je vais pas vous les sortir. Là, vous en avez des tout petits, des plus gros. Et là, vraiment des gros là pour coller sur les plus. Et voilà. Donc, je sais pas, il faudrait voir. Mais bon, je suis sûre que je vais m'attirer des foudres. Oui, toi, tu les as gratuits, mais tu veux nous les vendre. Ouais, mais bon. Peut-être que je les ai gratuits, mais les frais de port sont pas gratuits. Donc, voilà. Et puis. Les offrir à n'importe qui, non. Non, non. Donc, je sais pas. Je verrai. Ah merde, j'ai oublié de remettre le kit tout là avec. Je sais pas. Oh. Bon, oui, bon, allez, hop. Je le mettrai après. Et en dernier, il y avait un stylo. Voilà, un stylet qui est comme ça, classique, mais en fait qui n'est pas classique, là il y a des petites pierres paillettes violettes, et le bouchon c'est un vernis, oh deux fois, hein. Un rouge à lèvres, voilà, un violet à lèvres, mais c'est pas un rouge, c'est un violet, il est trop top, c'est le seul cadeau qui est top, lol. Donc voilà pour ma petite réception partenariat à Diamond Painting. Je vous fais de gros bisous à tous. Rachel, encore mille merci. Maintenant que j'ai vu la photo, je suis encore plus croque. Franchement, mille merci à tous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.